Salut tout le monde, c'est AK36CW pour la deuxième partie de ce walkthrough sur Half-Life 2, épisode 2. Une scène poignante, un repos éternel. Voilà qui procure de paisibles pensées, n'est-ce pas? Absolument succulent. Quel courage, Freeman! Quand vous atteindrez la fin de l'heure, trouvez un moyen de me faire venir. N'oubliez pas! Ne tuez pas le gardien, sinon l'extrait serait gâté! Thank you.
Bon, il fait pas ça à chaque fois, mais quand ça arrive, on a très peu de temps pour réussir à les planquer. Je sens le Freeman en bas. Activez l'ascenseur, que l'on se retrouve. Je descends. Attendez un instant, Freeman, que nous continuons ensemble. Le parfum de la mûre perfection se répand. Suivez-moi, Freeman, pendant que je retrouve la source. Vous avez fait le plus gros du travail en ouvrant l'accès à cette salle. Vraiment, la vie de l'Alix Vance est entre des mains expertes. Ah, j'aurais dû le tuer, celui-là. Une telle quantité de larves, un tel arôme enivrant. Jun Gangkong Sakagorin, cher Jacqueline Borgen. Ah, excellent! Une abondance d'extraits larvaires. Cela ne devrait prendre qu'un moment. Sécrétion de la meilleure qualité. Retournons auprès de l'Alix Vance. Posséder certains traits que l'on croyait exclusivement en Vorto. L'élevage de fourmilions était autrefois une pratique courante pour nous. Il s'exude de ces créatures bien des composants précieux, mais c'est l'extrait qui est de loin le plus prisé. Il dissout les faux voiles qui divisent la vortessence. Vous verrez tout cela quand... Son cœur s'est arrêté. Elle s'éteint. Si nous la perdons, nous perdons tout. Regardez. L'extrait. Sécrétion miraculeuse. Dépêchez-vous. Rejoignez-nous pendant que nous absorbons l'extrait. Oui. Il nous faut un humain. D'accord. Rejoignez-nous, Freeman.
Nous lions la vie du Freeman avec la sienne. Oui, il y a une excitation presque mortelle, ce lien entre vous. Freeman, je sais bien que ce moment n'est pas vraiment propice à une discussion sincère, mais je devais attendre que vos amis soient occupés à autre chose. Il fut un temps où ils ne se souciaient pas de Mademoiselle Vance, où leur seul contact avec l'humanité était un pied de biche s'approchant vers eux du fond d'un couloir d'acier. Lorsque je l'ai arraché de Black Mesa, j'ai dû aller à l'encontre de ceux qui la considéraient comme une enfant et disaient qu'elle ne serait d'aucune utilité. J'ai appris à ignorer ses opposants systématiques lorsqu'il était hors de question de les arrêter. Pourtant, je n'ai pas pour habitude de gaspiller mes investissements. Et je reste certain qu'elle vaut bien plus que ma première évaluation. C'est pourquoi je dois maintenant exiger de vous une petite contrepartie en échange de votre survie. Accompagnez-la jusqu'à White Forest, Dr. Freeman. Je voudrais pouvoir faire plus que simplement vous surveiller, mais j'ai accepté de me soumettre à certaines restrictions. Eh bien, maintenant, écoutez-moi bien, ma chère. Lorsque vous verrez votre père, transmettez-lui ces mots. Préparez-vous à des conséquences imprévues. Elle bouge. Sa forme vortale a retrouvé son intégrité. Nous venons d'éviter une perte incommensurable. Ah, mon Dieu! Allongez-vous. Oh. Oh mon Dieu. J'ai cru... J'ai bien cru mourir. Un chasseur du cartel vous a blessé gravement. Un chasseur... C'était donc ça. Nous avons ressouté les os broyés et restauré son circuit sanguin. Toutefois, c'est le Freeman qui a récupéré votre vortessence. Oui, c'est Gordon. Ça fait combien de temps ? Quelques heures. Des heures ? Oh. Il faut y aller. Une minute de plus. Mais... Il faut se rendre à White Forest. C'est crucial. Soyez sans crainte. Nous vous mettrons sur la bonne voie. Maintenant, essayez de vous lever doucement. Waouh ! Quoi que vous ayez fait... Je crois que j'ai de la chance d'être encore là. Venez alors. Je vous indique la direction de White Forest. Allez, Gordon, près de moi. Nous allons continuer de chasser les conseillers. Adieu. Soyez prudents. Bon voyage. Bonne chance pour là-bas. Ok, Freeman. Soyez à la hauteur. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, je sais pas. C'est la façon de parler des vortes. Je peux marcher seule à présent. Attendez, j'essaie. Ouais. C'est un peu raide. Ça va aller. Thank you.
Waouh ! C'était un gardien. Quelqu'un a dû faire quelque chose qui l'a énervé. Le gardien est furieux car nous avons volé l'extrait. S'il entrave notre progression, nous devrons le tuer. Vous avez touché à ses œufs ? Oh, pas étonnant alors. Ils sont pressés. Ils avancent vers le nord avec force en train. Le nord ? White Forest ! Il faut arriver avant eux. Je connais des humains ayant un véhicule non loin d'ici. Ils comprendront l'urgence de notre requête. Qu'est-ce qu'on attend ? Les humains nous enclavent sur les bords de ce canyon. Je ne vois pas leur patrouille. Une fois que vous avez tué tous les fourmilions dans le coin, pensez à rapporter les barils explosifs plus près de ce bazar là, ça risque d'être assez utile.
Gordon, j'ai pas été d'une grande utilité. Désolée. Bien joué, Freeman. Freeman, vous achevez ces gardes avec force et célérité. Venez, le véhicule que nous voulons est dans le campement au-dessus. Cet ascenseur nous mènera jusqu'au véhicule. Les patrouilles auraient dû nous détecter à présent. Le cartel les aurait trouvés ? Une telle théorie est à peine exagérée. Le cartel les a pas loupés. Mais ils ne s'en sont pas sortis non plus. Les crabes de tête ont fait du tort aux deux groupes. Hé, regardez ! Sur le pont ! Je vois la voiture dont vous parliez. On dirait qu'ils ont essayé de s'enfuir, mais ne sont allés plus loin que l'abysse. S'ils l'ont fait passer de ce côté-là, on peut bien la faire sauter de ce côté-ci. Nous recommandons le Freeman pour cette tâche. Hé, je me sens bien mieux, moi. Cette condition ne durera pas si vous plongez dans les toxines en dessous. Nous ferions bien de lui assurer une protection d'ici. Pendant que le Freeman se frotte au danger de la fosse, cette arme, par exemple, se révélera fort utile. L'arme est déchargée. Allez, Freeman. Je prendrai soin de l'Alix Vance. Ok, Gordon. Notre sort est entre vos mains. Bon, je vais désactiver ce champ. Bonne chance, Gordon. Soyez prudent. Thank you.
On a chargé le fusil. Pour que je vise bien.
Bon, ici c'est assez simple. On peut soit sauter directement de l'autre côté, soit faire tomber le frigo ici. Bon. Voilà. Voilà, donc ça passe. Ou alors, comme ceci. Thank you.
ici, faites bien attention de ne pas sauter sur cette portion du pont vu qu'elle va directement s'écrouler. Également, ça ne sert à rien d'essayer de faire contrepoint en ramenant, ou en laissant les voitures ici et en poussant celle-là. Il faut absolument que toutes les voitures quittent le pont pour que le script se lance. Ah, mon Dieu. Quelle voiture! C'est bon. En voiture! Oh, sauf si vous y tenez. Je crains que des affaires plus urgentes requièrent notre attention. Des conseillers qui n'ont pas encore éclos. On restera sur nos gardes. Cette route vous emmènera près de White Forest. Mais n'oubliez pas que vous ne serez pas seul. Ah, je suis tellement reconnaissante. Nos liens sont naturels et n'exigent aucune sorte de gratitude. Vous de même. Et adieu. Ce fut un honneur. On aurait dû se douter que ça n'allait pas être une simple promenade. On va devoir faire un détour. Un pylône de radio. Si ça marche, il faudra alerter White Forest. Ils ne savent pas que le cartel se dirige vers eux. Depuis combien de temps est-ce désert? Il doit y avoir un émetteur dans un de ces bâtiments. Voilà l'émetteur. Pas de courant. Essayons de rétablir l'électricité. Ah, mon Dieu, le portail s'agrandit. Pourvu qu'on ait le temps de l'éteindre. Thank you.
président. Cachez-vous. Des chasseurs. Ils sont là. Chut. C'est sur le toit. La porte. Le voilà. Ils m'auront plus par surprise. Envoyer notre alerte et continuer. Ça devait être un groupe d'éclaireurs. Les sortes de dards explosifs que ces saloperies envoient peuvent se coller donc aux objets que vous avez mis devant vous ou quoi que ce soit, et vous pouvez donc les renvoyer, ils explosent une fois qu'ils vont toucher un objet ou l'autre, et ça peut faire masse de dégâts justement aux chasseurs ou à n'importe qui d'ailleurs. C'est bon. Ok. Oh, le signal est vraiment faible. Bon, essayons. White Forest, répondez. White Forest, vous m'entendez? White Forest, vous m'entendez? Ici, White Forest. Identifiez-vous. Ici, Alex. Alex Vance, où êtes-vous? Ça fait des heures que je vous attends. On a eu un contretemps. Avez-vous conscience de la gravité de la situation? La survie de la Terre dépend des données que vous transportez. Oui, je sais, mais le cartel se dirige vers vous. Quoi? Que dites-vous? Vous avancez vers nous? Mais j'espère bien! Non, pas quoi? Nous! Alors, le cartel! Oh. Tenez-vous prêt! Je vous entends mal, Alix! Quoi? Alix? Bon sang! Je me demande s'il a reçu le message. On devrait reprendre la route. Là, je vais ouvrir la porte. Continuons. On verra si on peut récupérer la route plus loin. Sommet. On le voit de White Forest. On est sur la bonne route. Hé, hey, ça doit être un de ces incubateurs. À la citadelle, c'est chose qu'on a vue. C'était quoi ça ?
Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like, n'hésitez pas également à me suivre sur Facebook pour vous tenir au courant, et sur Twitch pour suivre mes lives. Sur ce, à plus tout le monde, et bon frag !